Dans cette vidéo, on va parler de comment ombrer des formes simples. Donc, voilà le résultat. Je te laisse avec avec le tuto. Et je te dis à tout de suite. Alors, on va commencer par dessiner nos petites formes simples. Je te les fais un petit peu à l'arrache. Hein. L'essentiel, c'est que tu comprennes ce que l'on veut faire. Donc, on va faire quoi? On va faire un cube. Hop, un peu de cube. Tac. Tac. Dessine ça rapido. Voilà. On va se faire un cylindre. Voilà. Deuxième ellipse en bas. Pas belle celle-là. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va se dessiner d'autre? On va se faire une sphère. Voilà. Sur une patate qu'un vrai rond, mais c'est pas grave. Et on va s'amuser à se faire un cône. Voilà. Hop, donc sur cela, ce que je vais faire, c'est que je vais me dégager les petites traits de construction, on n'en a pas besoin. Hop, ça dégage. Ça. Ça dégage. Voilà. Hop, ça passe bien à l'écran, ça passe bien à l'écran. Donc maintenant, pour placer les ombres, le premier truc qu'il faut faire, c'est définir sa source de lumière. Donc pour tous mes objets ici. Je veux dire que la lumière leur arrive de face, directement comme ça. Voilà. Donc si la lumière arrive ici, elle va taper là. Elle va taper beaucoup moins ici. Donc là ici, je peux griser légèrement. Et là ici, il n'y en a pas. Donc tout ça, je le grise bien. Hop. Voilà. Après, normalement, tu as une ombre portée ici, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Là, même chose. Ici, ça tape quasiment pas. Là, sur mon cylindre, alors la moitié qui va être éclairée, l'autre qui ne le sera pas. Donc, tout ça, on le met dans l'ombre. Voilà. Ensuite, notre sphère. Donc là, ici, on a la moitié. Pareil. De côté, c'est pas incroyable la sphère. Hein. Je t'en ferai un autre. Un peu mieux après. Donc là, tu as compris le délire. Hein. Tu t'arrives. Et sur le cône, c'est le même principe. Hop. Alors, sur ces formes-là, il y en a aussi qui vont parler du Terminator. Donc c'est ici, c'est la zone en fait entre la lumière et l'ombre qui serait plus foncée, sur lesquelles tu peux insister. Alors là, là. Terminator, c'est le nom anglophone, hein. Ça fait un peu flipper comme nom, ça fait guerrier. Bref. Voilà ce que ça donne quand t'as une lumière de face, assez basique. Bon, sur le cube, c'est pas le plus compliqué. Mais sur les trois autres formes, c'est pas super sexy une lumière de face, que je veux dire, t'as juste un trait droit. C'est pas incroyable, donc on va décaler notre lumière, on va faire venir un peu plus de ce côté-là.
comme ça, c'est-à-dire qu'on a notre lumière qui va venir taper notre forme de biais, toujours de face, mais de biais. Enfin, tu m'as compris, quoi, chut, comme ça, quoi. Donc là, c'est-à-dire que ma lumière, mon Terminator, va se retrouver là. Donc là, ici, celui-là, je dégage. Hop. Reviendra. Là, ici, ça change pas sur le dessus, hein, toujours la même chose. Voilà. La rigueur sur le cube, on peut dire que là, ici, c'est moins éclairé. Hein. S'amuser à rajouter une petite zone un peu grisée là. Là, la sphère, c'est là que c'est marrant. Du coup, il faut que tu refasses une ellipse ici. Et une sphère, c'est une boule, quoi. Voilà, et que là, tu reviennes ombre ici. C'est en fait ta sphère. Tu t'imagines que l'ombre va venir couper ta boule en deux, en fait. Donc, en fait, faut que tu imagines que toute la partie qui est dans l'ombre, ça va être cette demi-sphère-là. Et la lumière arrive de là. Et pour notre cône, même chose, on décale l'ombre, on suit la forme, donc on est penché. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les ombres sur les formes de base. Avec ça, tu serais capable d'ombrer n'importe quelle forme. Hein. Il suffit de décomposer ta forme complexe en forme simple et d'appliquer ces petites méthodes. Allez, je te laisse là-dessus et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!